Oui, nous sommes encore là ce soir, chers téléspectateurs, frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a fait grâce encore et nous nous sommes réveillés et le soleil était éclatant. Cette journée ensoleillée, bénie de Dieu, dont nous avons joui jusqu'à cette heure, nous lui disons merci. Alors, nous sommes là encore dans notre émission Éco-épouse du pasteur, Éco-pasteur. Nous voulons ce soir parler de la scolarisation de nos enfants. Faisons de la scolarisation de nos enfants notre priorité. Ils sont nombreux, ce 16, qui ont envahi les rues dans tout le territoire togolais. Parce que c'est le 16 que le Togo a repris les classes. Et les jeunes filles, les jeunes garçons, dans les collèges primaires, au lycée, on les voit. Et ça fait beau. Et c'est très, 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 très agréable à voir. C'est la pépinière que le Seigneur nous a donnée pour la relève de qualité de demain. Mais au même moment, certains sont en train de pleurer parce que ils ne vont plus reprendre les classes. Parce que les parents ont dit, c'est assez, tu as assez doublé, on n'a plus d'argent, nos moyens sont limités. Toi, va apprendre un métier. Toi, va chercher de l'argent au bon âge pour que ton frère ou ta sœur puisse continuer les études. Surtout toi, jeune fille, pourquoi tu vas encore aller? Demain, tu vas te marier. Occupons-nous de ton frère. Mais qu'en dit Dieu, qu'en dit la Bible et qu'en dit la société? C'est pourquoi ce soir nous sommes là pour encore nous conseiller sur l'éducation, la scolarisation de nos enfants qui doit être une priorité. Alors, tout à l'heure, vous allez, par les questions et les réponses que notre cher invité, qui est déjà là au ici au plateau, le Seigneur va l'utiliser pour nous donner quelques solutions. Et Dieu même va faire le reste. Alors, bonne arrivée, ma sœur. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Ma pasteur Newman. Soyez bénie. Amen. Oui, c'est notre sœur, notre maman, notre missionnaire, notre enseignante à la FATAD, notre missionnaire au sein de Pioneers Togo, qui a bien accepté venir nous prêter son savoir pour encourager certaines personnes, certains parents et surtout les élèves, les étudiants à ne pas pêcher les chines quant à ce qui concerne l'avenir qui leur est réservé demain. Et je suis sûre que ceux qui nous suivent déjà sont branchés à leur poste téléviseur. Partout du bout des ondes, nous vous saluons. Et surtout ceux qui sont de l'autre côté de la mer, vous avez toujours dit que vous aimez cette émission Éco-Pasteur. Alors soyez bénis. Notre sœur est là ce soir pour nous aider. Alors, Madame Fiff, en tant qu'enseignante, vous êtes aujourd'hui docteur et c'est une fierté pour nous les femmes. Et vous êtes enseignante aussi à la FATAD, non seulement vous êtes dans la mission avec Pioneers Togo, vous êtes aussi enseignante. Alors je voudrais ce soir savoir quelle est l'importance de l'éducation, surtout la scolarisation de nos enfants. Merci beaucoup. Et je vous remercie du fond de mon cœur pour ce moment très, très important. Oui, je sais que nous parlons de l'importance de l'étude, bien la scolarisation. Parce que l'étude, c'est la scolarisation. Exactement. Oui. Mais permettez-moi de parler un peu d'un autre aspect de l'éducation de nos enfants. D'accord, il n'y a pas de question. Et selon la parole de Dieu, que nous connaissons bien dans Proverbes 22, verset 6. La Bible nous dit
dit aux parents d'éduquer les enfants selon la voie d'apprendre. Qu'ils doivent prendre. Et quand ils seraient grands, ils ne s'en détourneraient pas. N'est-ce pas? Oui. Et quand nous parlons de l'éducation, si nous ne mettons pas, si nous ne touchons pas un peu de cet aspect, je pense que ce n'est pas complet. D'accord, je n'ai pas de souci. Donc, pour commencer là, je vais dire que pourquoi est-ce que c'est important d'éduquer nos enfants? C'est parce qu'il y a une voie qu'ils doivent suivre. Il y a une voie que nos enfants doivent suivre. Il y a un chemin que nous devons tracer pour nos enfants afin qu'ils marchent, ils puissent marcher dedans. C'est ça. N'est-ce pas? Et si nous ne le faisons pas, nos enfants auront des problèmes. La Bible dit que quand ils seront grands, ils ne vont pas sortir de la voie que nous l'avons présentée, enseignée. Donc, il est très important. Il y a des valeurs, il y a des principes de la vie qu'il faut communiquer à nos enfants. Et quand un enfant est bien éduqué, l'enfant-là est bien épanoui. C'est un enfant. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant épanoui. Maintenant, parlons de l'étude, parce que nous allons voir tous les deux ensemble. Merci. L'étude, et mettons accent sur l'étude de nos jeunes filles. Il est très important que les jeunes filles puissent étudier et que les parents les encouragent, les soutiennent, les fait étudier. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, un enfant éduqué, c'est un enfant épanoui. Quand nos enfants ont la grâce d'aller à l'école, d'étudier, ils pourront contribuer de différentes manières dans la société. Tout d'abord, à partir de la maison. Vous savez, l'éducation commence à la maison. Ça commence à la maison, exactement. Et quand nous donnons opportunité à nos enfants, filles et garçons, d'aller à l'école, d'étudier, ils auront l'opportunité de pouvoir travailler. L'éducation contribue à l'emploi. C'est-à-dire, l'enfant, après l'éducation, pourrait avoir un emploi. C'est ça. Il pourrait trouver les moyens de se prendre en charge. C'est ça. Et aussi de soutenir la famille. Or, quand l'enfant n'est pas éduqué, l'enfant devient une charge pour les parents. C'est ça. L'enfant devient un handicap. C'est les parents qui portent le fardeau de l'enfant. Oui, oui. Quand l'enfant arrive à l'âge où l'enfant doit soutenir les parents, et quand il n'a pas le moyen de le faire, parfois tu vas voir que ça devient le souci des parents. C'est les parents qui cherchent à soutenir l'enfant. L'enfant. Vous voyez. Mais quand le moment d'aider l'enfant à étudier, aller à l'école, you know, ça amène l'enfant à arriver à un niveau où cet enfant pourrait vraiment soutenir les parents. Et pour la jeune fille, à part qu'elle pourrait avoir un travail à elle-même, de s'occuper d'elle-même, de s'occuper de ses parents et de contribuer à beaucoup de choses dans la société, elle-même, ça va l'aider à éviter certains risques dans la vie. Vous savez que dans notre société, surtout ici en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la jeune fille court beaucoup de risques, le risque de se marier tôt, qui fait que elle devient comme inutile dans la maison, chez elle quand elle s'est mariée. Et elle ne fait que donner des enfants et rester dans la maison comme une servante. Comme on le dit, une pondeuse. Exactement, vous voyez. Mais celle qui a la grâce d'étudier, elle arrive à connaître, à se découvrir et à voir de quelle manière elle pourrait soutenir même son mari dans la maison, dans le foyer. Donc, il y a beaucoup de bénéfices de l'étude pour nos enfants.
je vais juste arrêter ici. C'est vrai que et actuellement dans notre pays et dans les sociétés africaines ont évolué et traditionnellement la place de la femme était au foyer et bon a aussi trouvé un homme chez qui elle va être épouse et aussi donner des enfants si le Seigneur en donnait. Et aujourd'hui le monde a évolué, mais il reste encore certaines contrées reculées où les parents sont en difficulté financière et matérielle. Et pour au moins aider les enfants dans ce domaine de scolarisation, certains préfèrent que ce soit le garçon qui puisse aller étudier, qui puisse aller à l'école et que la fille ou la jeune fille puisse peut-être envoyer en bon âge ou bien être avec sa maman qui va faire le commerce et soutenir les garçons qui sont à l'école. Qu'en dites-vous? Oui. Madame Docteur Fiff. Oui, en réalité, ça se fait dans beaucoup de cultures, parmi surtout ceux qui n'ont pas de moyens. Je rappelle bien que dans le cas de ma maman, elle a abandonné l'école pour que son grand frère aille à l'école. Voilà. On lui a dit... Là, c'est la culture, c'est dans la tradition et culture Igbo. Oui, oui, exactement. Vous voyez. Et là, elle n'a pas pu continuer les études. Elle a quitté l'école pour que son grand frère puisse aller à l'école. Et vous savez le pourquoi? Selon moi, c'est parce que c'est une question de world view, c'est-à-dire notre vision du monde, la mentalité que nous avons par rapport à qui les jeunes filles sont, la position de la jeune fille dans la maison. Tout d'abord, on pense que la jeune fille est inférieure au garçon. Traditionnellement, le garçon est privilégié. Oui, privilégié. Ouais. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est on pense que celui qui est de la maison, celui qui porte le nom de la famille, c'est le garçon. Oui. Vous comprenez? Il va perpétuer la génération. La génération. Donc, on pense que la fille va se marier et elle va porter le nom d'une autre famille. Elle rentre dans une autre famille, elle va changer le nom. Donc, voilà celui qui porte notre nom et nous devons tout faire pour le soutenir. Vous comprenez? Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que même quand la fille n'est pas là, dans la maison, même quand elle se marie, elle porte toujours le nom de sa famille, directement ou indirectement. Et je vais encore dire quelque chose. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est très important. La jeune fille, la femme qui quitte sa maison pour se marier, vous comprenez? Et il y a le garçon qui reste toujours dans la famille. Maintenant, cette femme, cette fille, selon ce que je comprends, c'est la fille qui prend soin de les parents. Oui, les garçons le font aussi, mais il y a cette manière de prendre soin des parents quand ils sont âgés. Oui. Vous comprenez? Qui revient à la fille? Pourquoi? J'avais dit plus tôt, quand on a commencé, quand l'enfant est bien éduqué, il est épanoui. Et tout d'abord, elle n'est pas une charge ni à ses parents, ni à elle, ni à son mari quand elle se marie. Maintenant, une fille qui a reçu l'éducation qu'il faut, je parle de l'éducation spirituelle, l'éducation morale et l'éducation académique, elle la chérie de son mari. Elle soutient son mari. Et à la fin de compte, c'est elle qui gère la maison, son foyer.
Son mari le laisse, son mari le chef, mais il le laisse la maison à gérer. Qui fait que quand il y a des problèmes, elle pourrait gérer les problèmes. Elle pourrait amener ses parents dans sa maison. Et son mari ne va pas dire non. Elle pourrait aussi amener même ses beaux. Oui. Sa belle famille. La belle famille. C'est ça. C'est elle qui dit, la plupart du temps, c'est elle qui dit ce qui va se passer à la maison. Ouais. Parce que son mari a mis sa confiance à elle. Son mari trouve en elle une femme qui le soutient. Et il ne peut pas la opposer. Il ne peut pas dire non. Vous comprenez? Ouais. Donc, ce que beaucoup de parents ne savent pas, c'est que c'est la femme-là qu'on met à côté. C'est la jeune fille qui devient femme, qui réellement est le pilier de la maison. De la maison. De la maison, tous les deux côtés. Ouais. Tous les deux côtés. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger l'éducation de la jeune fille. C'est ça. Parce que quand elle n'est pas éduquée, quand elle ne peut pas apporter quelque chose à la maison, il n'y a pas revenu, elle ne fait aucun travail, elle ne fait que rester à la maison, faire des enfants, préparer et manger, et c'est tout. Elle ne peut pas dire que laissez-moi amener ma maman, laissez-moi amener mon papa, ou bien je veux que ma belle-mère vienne, je vais prendre soin d'elle. Son mari va rapidement dire, mais comment? On n'a même pas suffisamment ce que nous allons utiliser. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que, tout d'abord, c'est une malcompréhension de penser que c'est le garçon qui doit protéger l'intérêt de la famille. Donc, il faut qu'il soit éduqué. Il faut qu'on mette tous les efforts pour lui aider à étudier. La réalité, c'est que tous les deux enfants sont très importants. C'est ça. Les garçons et les jeunes filles sont tous très importantes. Et les parents doivent comprendre que ça doit être notre priorité, de les faire aller à l'école, de les faire étudier, les garçons et les filles tous ensemble. C'est ce que je veux dire par rapport. Ouais. C'est parce que les parents ne comprennent pas que la fille, c'est comme une pilier. C'est quelqu'un d'importance et on doit la soutenir, l'encourager et la faire aller à l'école, la faire étudier. Merci, Maman Faith. Votre développement me fait aussi rebondir sur certaines questions. Et si je vous ai bien compris, vous déplorez la sous-scolarisation, le manque de la jeune fille, qui constitue un manque crucial, la sous-scolarisation, un manque. Et par ce manque, c'est ici le lieu aussi de lancer un appel dans les hameaux les plus reculés, que l'heure n'est plus à marginaliser un sexe par rapport à l'école ou à l'éducation ou aux études supérieures. Et donc, si vous êtes en train de nous suivre ici, vous nous avez pris en route. Nous sommes au plateau vert à la RTJVA et télévision, la télévision Jésus vous aime. Et nous sommes en train de débattre comment faire de la scolarisation, l'éducation de nos enfants notre priorité. Et ici, déjà, nous avons déjà vu un manque crucial par rapport à la scolarisation de la jeune fille ou des enfants. Alors, nous continuons. Votre débat va m'amener à vous poser une question. Et dans certains cas, c'est plutôt les parents ont bien envie de scolariser les filles au même titre que les garçons. Mais au fur des années, nous voyons que cet effectif qui était pléthorique peut-être de la jeune fille, puisque personne ne nous dira le contraire, les femmes sont plus nombreuses, nous sommes majoritaires. Nous sommes très nombreuses sur ce monde et ou dans ce monde. Partout, c'est les femmes dans les églises, par exemple, nous sommes nombreuses et nous dépassons. Et les enquêtes nous ont prouvé que quand les femmes commencent, le pourcentage est élevé. Et malheureusement, lorsqu'on évolue vers les classes supérieures, on arrive maintenant à un faible taux
de jeunes filles ou de filles, jusqu'à l'université, jusqu'à la licence, jusqu'au master, pourquoi pas au doctorat. Elles sont nombreuses. Vous êtes un témoin ou bien une témoin vivante pour nous dire les causes. Je vais dire d'abord que c'est vrai. Je reconnais que quand on commence l'école, souvent on vient en classe, on a plus de filles que des garçons. Et même dans l'école primaire, en allant jusqu'à collège. Mais arrivé un moment, tu vois que si on a commencé 20 en classe, peut-être de 12 filles et de 8 garçons à la fin, peut-être on pourra avoir les 8 garçons et peut-être 4 filles qui vont t'amener. Et je vais dire que la raison, peut-être on peut voir ça de deux côtés. Il y a côté qui concerne la fille elle-même et il y a côté des parents. Nous avons parlé de différentes manières dont les parents doivent contribuer. Oui, contribuer. À la scolarisation des enfants. Exactement. Il y a le fait que s'il n'y a pas l'argent, et il faut privilégier quelqu'un, c'est souvent les garçons. Et les parents vont toujours tout faire pour que le garçon aille en avant, puisse terminer, et qu'il puisse dire que ah, mon enfant a fini, il a bien terminé les études. Voyez. Et là, il peut décider que la fille arrête l'école pour se marier. On a besoin que le mari de notre fille soutient la famille, surtout la scolarisation des garçons de la maison ou bien des autres. Donc, la fille peut bien commencer, faire l'étude primaire, peut-être arriver au collège. Avant de terminer le collège, on lui dit de laisser l'étude et elle va arrêter. Elle va arrêter ça. On avoue ça là. Des fois aussi, c'est le mariage forcé qu'on lui propose et on arrête brusquement les études. Des fois, c'est mariage forcé. La fille ne vaut pas. La fille, elle a déjà commencé l'école et ne commence pas à s'intéresser. Elle veut aller jusqu'à la fin. Mais on lui dit d'arrêter. On lui dit qu'il n'y a pas de l'argent. On lui dit que son frère... Enfin, on lui dit qu'elle n'a pas besoin même. Et voilà les différentes manières que les parents contribuent à stopper les études de la jeune fille. Maintenant, la jeune fille elle-même, elle a aussi une vie un peu délicate. Vous savez qu'il y a des circonstances, des situations qui peuvent arriver aux deux sexes. Et ça, l'impact que ça va avoir sur un serait différent de l'impact. L'autre, oui. L'impact, souvent, prenons par exemple la vie des garçons et des filles d'aujourd'hui, et disons qu'elles tombent enceintes, par exemple. La jeune fille, pour tomber enceinte, par manque, souvent je dis pas manque. De moyens. De moyens, ça c'est une de les raisons. Par manque aussi de l'éducation. C'est pour ça que j'avais commencé, quand on parlait de l'étude, j'ai dit, c'est mieux que nous commençons par l'éducation. L'éducation dont la Bible nous a dit. Je ne te coupe pas la parole. Un grand homme avait dit que il croit aux études universitaires, il croit à la connaissance académique et il pense que c'est très bon. Mais la connaissance académique sans la connaissance biblique n'est que rien. C'est la vérité. Parce que les deux doivent aller de pair ensemble. Quand on dit que voilà une fille bien éduquée ou bien un garçon bien éduqué, ça veut dire qu'il est éduqué sur le chemin de Dieu et il est aussi éduqué académiquement. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il est complet. Donc, la plupart des cas, nous avons des erreurs qui viennent parce que les parents n'ont pas pour dire, trouver le temps pour mettre les enfants dans le chemin qu'il faut. C'est-à-dire la crainte de Dieu peut-être est manquée. D'abord. Oui. Et ça arrive que l'enfant, la jeune fille,
tous les deux pour faire la même chose. Hein. La vie de moralité, sexualité, manque de la connaissance dans cette direction. Et ce que la fille va pratiquer, et ça va la, ça va beaucoup endommager sa vie. Le garçon peut rapidement, facilement s'en sortir. Surmonter. Vous comprenez. Si la fille tombe enceinte, c'est-à-dire c'est 9 mois de... La plupart des cas, mais quand ça arrive, on dit, ah, c'est la fin. Oui, et puis c'est la fin aussi. C'est la fin. Il y a juste, on dit, very few. Très petit nombre de filles que malgré les espérances de ces cas, il arrive à continuer. Mais la plupart, ça fait partie de ce qui arrête. Il faut être courageuse aussi pour revenir dans ce même établissement. Pour reprendre. C'est les filles vraiment courageuses qui reprennent et vont jusqu'au bout, au bac, à la licence. Chapeau à ces filles. Je connais une fille, c'était même au campus. Elle a tombé enceinte, c'était très difficile. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a continué. Jusqu'à terminer. Lorsqu'elle était en temps pour accoucher, c'était un deuxième trimestre. Elle a arrêté l'école juste pour cette deuxième trimestre. La prochaine, elle était. Et si tous les parents aussi ont encouragé la fille. À continuer. C'est déjà à l'université, c'est quelque chose. Hein? Vous voyez. On ne peut pas perdre comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que ce sont des choses qui affectent la jeune fille, qui fait que la plupart du temps, les jeunes filles commencent, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a vraiment plusieurs paramètres qui contribuent à ce stoppage brusque des études de la jeune fille. Cette jeune fille qui monte à la fleur de l'âge, très belle, tous les yeux sont sur elle. Je ne vais pas dire autre chose. Arrêtons-nous ici. Alors, c'est ici le lieu aussi que nous disons que nos figures d'autorité, que ce soit les parents, les enseignants, puissent vraiment aussi faire leur part et aider les jeunes filles à aller très loin plus tôt et de les en empêcher. Nous saluons notre ministre de l'Éducation et je pense que c'est le ministre Cocorico. Il était ministre de l'Éducation. Okay. Je pense qu'il est aussi, il est toujours ministre, je ne sais pas s'il est changé, qui a pris des mesures draconiennes par rapport au harcèlement de tout genre de la jeune fille et à autoriser les jeunes filles à déclarer quiconque sur leur chemin pouvait leur en empêcher d'aller loin. Alors, chapeau à ce ministre. Il est bon. Donc, nous évoluons dans notre débat. Je vais tout simplement savoir quel avenir pour les femmes. Je vais arrêter un peu, je vais aller. Bon, docteur Feuf, vous avez étudié l'université d'abord, après vous êtes arrivé aux études bibliques, vous êtes arrivé jusqu'à la licence, vous êtes arrivé au master, puis quelques années plus tard, pas plus de deux ou trois ans, vous êtes sorti docteur en missiologie. Oui, puisque vous êtes missionnaire. Docteur en missiologie, dites-nous un peu comment vous êtes arrivé jusqu'à ce point. Avec votre jeune âge aussi, vous êtes mère, vous êtes éducatrice, vous êtes épouse, et puis bon, beaucoup de choses quoi. Mais vous êtes arrivé, dites-nous un peu. Ça peut aussi servir à stimuler quelques femmes, quelques jeunes filles à faire comme vous. Votre expérience. Nous avons hâte de connaître cette expérience. Merci beaucoup. C'est le moment de parler de moi et mon expérience. Il faut dire que ce n'était pas facile. Mais j'ai été beaucoup soutenir. J'ai été beaucoup soutenir par mon mari. Vous avez été beaucoup soutenu par votre mari, qui est votre premier proche de vous.
pour pouvoir vous mettre sur la bonne voie. C'est le second parent. Voilà. Voilà, pour commencer, comme vous avez parlé de mes études avant que je sois arrivée dans les études bibliques. Mm-hmm. Oui, il y avait mes parents, il y avait mon papa et ma maman qui ont tout fait. Ils avaient commencé avec les filles. Et chez nous, comme j'avais dit, il y a cette notion que les filles doivent laisser la place pour les garçons. Mais à ce moment, ça fait rire quoi, mais c'est très intéressant parce que mon papa a dit que tous ses enfants auront à l'école, filles, garçons. Et comme on était d'abord des filles, il a commencé, il a tout fait, il nous a soutenus, les parents nous ont soutenus. Et c'est ça qui a formé la base de notre éducation. Mm. Les parents étaient prêts pour payer le prix pour que nous ayons à l'école, bien qu'on soit des filles. Mm. Donc moi, ma petite sœur et celle qui suit, on est tous allés jusqu'à le niveau université avant le mariage. Quand je suis mariée et je suis rentrée dans la maison de mon mari, on est missionnaire. Et je ne sais pas, mais quand le Seigneur connaît ce qu'il fait, c'est lui qui a orienté mes chemins. Parce qu'au début, je disais, Seigneur, tu ne comprenais pas grand chose, ce que tout vaut pour ma vie. Mais je veux être guidée par toi. Je pense que c'est lui qui a tracé le chemin de la FATAD pour moi. Et quand j'ai commencé au niveau de la licence, et j'ai eu la licence, et mon mari, je crois que c'était la fin. Je crois que maintenant, je comprends beaucoup de choses et je pourrais soutenir mon mari dans le ministère et tout ça là. Mais il m'a dit que non, tout va encore continuer. J'ai dit, ah, pour faire quoi avec? C'est déjà bon. Tu n'as pas d'église, dit, tu vas faire quoi? Ouais, exactement. J'ai déjà deux licences. Mm-hmm. Ça suffit, c'est bon. Il dit, non, tu as besoin de faire le master. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, d'accord. Je n'ai pas résisté de tout. C'est ça. Donc, juste après la licence, juste un an après, j'ai commencé le master et... À la fin de mon master, c'était la FATAD qui m'a invité pour venir soutenir, aider avec les étudiants. Et dans leur mémoire. Dans leur mémoire. Et c'est là encore mon mari revient. Il dit que si Dieu déjà te donne une responsabilité, Ce n'est pas toi qui dois la décliner. Ou bien ce n'est pas toi qui vas décliner la responsabilité. Si déjà tu es impliqué ici, tu as besoin d'aller en avant. Je dis, voilà. Maintenant, les enfants grandissent, il y a la responsabilité. Mm-hmm. On a besoin de soutenir les enfants. Mm-hmm. On a besoin que les enfants aussi aillent à l'école. Mm. Et tous les enfants, c'est beaucoup d'argent. On est des missionnaires, on n'a pas de moyens. Étudier au niveau du doctorat, ce n'est pas de l'amusement, c'est l'argent. Et c'est le temps aussi. Et c'est du temps aussi. Il faut beaucoup de temps. Encore, c'était moi le répétiteur des enfants. Tu vois, quand tu parlais d'être maman, femme au foyer, ministère, enseignante. Et éducatrice. Exactement. Et tout ça là. Mais... J'ai vu la détermination de mon mari. Mmh. Il a revenu un jour et c'est lui-même, il a amené les fiches pour PAF. Il a dit, chérie, aujourd'hui, je suis allée dans le site de PAF et j'ai les fiches ici. Donc, tout vient rempli. J'ai dit, toi, avec ce sujet-là, tu es toujours dedans. Il dit, oui, viens. Il m'a donné. Et c'était difficile. Ça, pour dire la vérité, c'était difficile pour moi parce que j'ai raconté les étudiants de PAF. Je sais que ce n'est pas de l'amusement, c'est difficile. Parlons de financièrement, c'est difficile. Et moi, je ne me voyais pas
moi et mon mari, capables de passer par paf pour cette. J'ai dit non, il faut revoir ça. Mais on a prié. Est-ce que ton mari était déjà passé par là? Non. Mon mari, lui, il a arrêté au niveau du master. Et il avait même fait son master avant que je lui avant qu'on soit mariés. Il a eu son master avant 25 ans. Ah bon. Et avant d'aller à l'école de la mission et de rentrer dans la mission. Donc, à cause de la manière que le travail est vraiment, il n'a pas beaucoup de temps pour étudier, mais je suis particulièrement touchée par la manière qu'il a voulu que... Toi, tu ailles loin. Il m'a beaucoup soutenu. Et quand je parle de lui, il dit non, 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 je ne peux pas, j'ai beaucoup de choses dans ma main, mais toi, allez. Et tu es capable, il me dit souvent, tu es capable, tu arrives à faire beaucoup de choses à la fois. Sweet. Tu sais que moi maintenant, je suis concentrée sur ce que je fais et je ne peux pas faire d'autres choses. Il t'encourageait à aller. Exactement. Ah. Et c'est comme ça, j'ai prié et je lui ai dit, d'accord, je vais le faire. Comptant sur le Seigneur. Je vais parler de ça parce que la plupart des cas, les gens, surtout les femmes, on pense à comment payer pour... l'étude à ce niveau, parce que ce n'est pas de petit ouais, argent. Ouais. Mais le montant est très élevé. Mais nous avions vu la main de Dieu, ensemble avec mon mari. C'est ça. Je dis souvent que moi, je porte le nom « faith » qui veut dire la foi. Mais mon mari, lui, c'est l'homme de la foi même. Donc, il m'a soutenu, il a payé. Tes études. Pour mes études. Mm-hmm. Et le Seigneur nous a surpris de plusieurs manières. Les gens nous ont soutenus, les gens ont envoyé. Bon, même les gens qu'on ne connaissait pas, hein, on va juste attendre qu'il y a quelqu'un qui demande de... qui veut soutenir une femme qui est dans l'étude à tel niveau. C'est ça. Et je me retrouve dedans. Ah, vraiment. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. Mm-hmm. Et ça n'a pas été facile. Et je me suis retrouvée au bout du tunnel. Yeah. Et ça s'est très bien passé. Vraiment. Très bien passé. Et le Seigneur était présent dans toutes les étapes. Après le master, vous avez fait combien d'années? Pour le doctorat, ouais. En classe, l'étude de classe, c'était pour 4 ans. Et pour la thèse... La thèse de mémoire, de doctorat. Doctorat, ça fait 6 ans. Donc, 4 ans plus 2 ans, ça fait 6 ans. Plus ce nombre d'années, licence, master. Parce que dans le temps, à la FATA, c'est 3 ans pour le master aussi. Oui. 3 ans pour la licence. 6 ans, ça fait 12 ans. 12 ans d'études. Apparemment, vous paraissez très jeune. Ouais, merci beaucoup, Maman Fuf, de nous avoir... donner votre espérance. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes aussi enseignante. Non seulement vous intervenez, vous êtes missionnaire parneuse, vous allez de village en village, vous intervenez aussi au niveau de la FATA en tant qu'enseignante et English Department, I think. Yeah. Merci. Et quelles sont vos forces et vos faiblesses dans cette classe d'enseignement? Est-ce que vous n'avez pas un complexe? Est-ce que les hommes, ces pasteurs qui disent que la femme ne doit pas enseigner, ne doit pas parler à l'église et que vous enseignez pour qu'ils soient diplômés, non seulement au niveau et licence jusqu'à diriger les mémoires là. Est-ce qu'on peut en savoir comment vous vous prenez pour être compris et puis et ils arrivent aussi à se soumettre? Oui, bon, nous sommes tentés de le savoir. Merci beaucoup, maman. Ça paraît être une question un peu compliquée, mais en même temps, ce n'est pas compliqué. C'est une question sans détour, quoi. Oui, pour dire la vérité, quand on a la grâce d'étudier, il faut dire qu'il y a ce courage et la force que ça nous donne. Vous comprenez? C'est ça. Et on se découvre.
si c'est le mot, n'est-ce pas? Et on reçoit la grâce et la force de la part du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur te dit d'avancer, tu avances avec le Seigneur. En réalité, il peut avoir peut-être des personnes qui pourraient dire dans leur peut-être dans leur intérieur, cœur, oui, qui est cette dame-là? Mais depuis quand est-ce que les femmes aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais à ce qui me concerne, je sais que c'est un travail que je fais avec beaucoup de la passion, l'amour. C'est ça. Et le respect aussi pour les hommes de Dieu. C'est ça. Et le fait que le Seigneur me fait grâce d'entretenir avec eux, ne me fait pas supérieur à eux. Okay? Donc, je fais ce que je peux faire, ce que le Seigneur veut que je fasse. Je fais ça avec beaucoup d'attention, beaucoup de l'humilité, beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Et je pense que ça n'a jamais été difficile. Je n'ai jamais raconté une situation qui m'a choquée. C'est ça. Oui. Vous n'avez pas pu gérer. Oui. C'est ça. Ça a été toujours bien avec beaucoup. Les pasteurs nous respectent, me respectent beaucoup. Parfois, ils m'appellent maman, parfois, ils m'appellent docteur, parfois, ils m'appellent. Vous comprenez? Et je n'ai pas eu un cas où quelqu'un pense que la dame-là ne doit pas m'enseigner. La dame-là, non. Je n'ai pas aussi entendu parler. Ou bien, non, ça n'a pas été le cas. Donc, je peux dire que, par la grâce de Dieu, pas de complexe, pas de défi au niveau des pasteurs. Non, ça... Vous arrivez à maintenir le coup. Merci de maintenir le coup et je pense que ça peut aussi tenter les autres à emboîter vos pas. Ce n'est pas facile. Mais je voudrais aussi abonder dans ce sens. Et quel avenir pour vraiment les femmes qui sont aussi formées. Aujourd'hui, vous avez le privilège et disons la chance d'être utilisée sur le plan académique, enseignante à la FATAD, il n'est pas donné à n'importe qui. Il y a aussi des femmes qui ont été formées, ne serait-ce qu'au niveau master, licence, qui pouvaient aussi enseigner, peut-être, pourquoi pas dans les instituts bibliques. Bon, quel est votre mot par rapport à ça? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quel mot à l'endroit de nos dirigeants ecclésiastiques pour... Parce que vous avez dit, votre mari a dit, vous pouvez... Je me rappelle de ce mot. Un jour, le président, l'ancien président et Obama, son slogan pour sa candidature, la question, il disait toujours « Yes, we can. Yeah. Yes, we can. Yeah. And I think when you can, you will do it. » Quand tu as cette possibilité et tu dis que tu vas arriver, tu y arriveras. Vous êtes anglophone, vous avez fait vos études en anglais, mais aujourd'hui vous parlez couramment français, vous enseignez en anglais, pourquoi pas en français aussi. C'est parce que un homme vous a encouragé, vous avez aussi pris sur vous la détermination d'aller jusqu'au bout. Je voudrais que vous disiez un mot soit aux femmes, soit aussi aux dirigeants, pour que cette détermination soit réjaillie dans la chante féminine. Oui. C'est la même expression. Oui. You are able. Vous pouvez. Merci. Vous pouvez. Donc, si je vais commencer avec les femmes, il y a d'autres qui ont déjà étudié, il y a d'autres que je connais qui ont eu leur licence à la FATAD.
Il y a d'autres qui ont allé même jusqu'à leur master's. Oui. Oui. Et je pense que même jusqu'à le doctorat, il est possible. Il est possible. Et nous pouvons, quand il y a la volonté, on peut aller pas à part jusqu'à arriver là. Quelqu'un dit vouloir ses pouvoirs. Exactement. Donc, il est important qu'au-dedans de nous, que nous puissions dire d'abord à nous-mêmes, je peux. Je peux. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous avons besoin des personnes autour de nous pour nous encourager. Pour nous dire aussi que nous pouvons. Nous pouvons le faire. Nous avons besoin de nos familles, nos maris. Nous avons besoin de nos leaders ecclésiastiques. C'est ça. Pour nous encourager. Les femmes ont besoin d'être encouragées. En réalité, aller loin. Oui, à aller loin. Parce que si il y a une institution, s'il faut utiliser l'institution pour l'Église, of course, oui, l'Église est une institution. Qui pouvait donner un bon exemple par rapport les femmes, l'encouragement pour les femmes, c'est l'Église. C'est l'Église, à cause de ce que Christ a fait. Christ nous a libérés. Les filles d'Abraham. Lui, oui, en lui, nous sommes tous le même. C'est ça. Donc, c'est l'Église, quand on parle de... c'est un sujet que je n'aime pas vraiment aborder parce que ça vient avec beaucoup de tensions et tout ça. Oui. En temps normal, pas. Parce que normalement, oui. Pas. Il faut aller progressivement. Oui. Si nous allons progressivement, on y arrivera. Il n'y a pas de... Il n'y a rien sans fin. Et je vais dire que l'Église pourrait encourager beaucoup les femmes, nos papas, nos leaders, oui, on ne vient pas comme ça se fait dans le monde pour venir tirailler, chercher. Ou imposer, non? Non. Mais c'est pour soutenir. Parce que nous avons quelque chose à donner aussi. La femme a beaucoup à donner. Là où la femme est à côté de l'homme, en train d'apporter des suggestions, en train de faire ce qu'elle peut faire. Je pense qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Donc, pour dire la vérité, la femme, la raison pour laquelle on est formé, celui qui en bénéficie primairement, c'est la femme. Parce que ça nous aide à découvrir notre position en Christ. J'appelle ça une occasion pour devenir fait, pour être fait. Vous comprenez? Oui. Et être fait là, c'est devenir, comment je vais dire ça? Arriver à l'image de Dieu que Christ vaut pour moi. Et mes expériences à l'école biblique m'ont beaucoup aidé à identifier ce que je suis dans le programme de Christ. L'identité de la femme chrétienne. Exact. Et avec ça, déjà, je me sens ce que je suis. Je connais ce que je suis en lui. Ben, question sans détour. Et je voudrais savoir, c'est quelle femme dans la Bible qui vous a marqué à aller jusqu'au long? Elles sont nombreuses, mais parlons d'abord de Déborah. Déborah, quand je vois quand on parle de Déborah, on dit elle était femme. Vous comprenez, oui. Mère et... Donc, elle était impliquée, elle avait beaucoup de choses, elle a dirigé, vous comprenez. Femme leader, le leadership féminin, voilà. Vous l'encouragez. Et les femmes comme Esther, qui a écouté son oncle, Mardoché, oui. Elle lui a écouté, elle a suivi ses instructions, jusqu'à devenir ce que, et elle a pu jouer le rôle que Dieu l'a appelé à jouer. C'est très important, très formidable de savoir que nous pouvons arriver à accomplir ce que Dieu veut pour nous. Il faut d'abord passer par la formation. Et Esther a passé par cette formation, d'abord chez Mardoché. Il lui a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Elle a écouté. Maintenant, quand elle était sur l'eunuque,
qui les a préparés, elle a suivi toutes les instructions. Donc, cela l'a amenée à être cette femme qu'elle devait être. Et la deuxième chose que la formation fait, c'est que ça nous rend efficace. C'est ça. Efficace dans le ministère. OK? Donc, quand on est fait, il y a un texte de la Bible qui m'aide beaucoup dans ce sens. C'est le texte de Philippiens. Quand Paul disait que j'ai appris. C'est ça. Maintenant, je sais ou bien je connais. OK? Et je suis capable ou bien je peux. Donc, la première chose, c'est d'accepter d'apprendre. Passer par l'école, c'est un moment d'apprendre. Et si nous passons par ce moment, nous arrivons à apprendre, là, je peux dire que maintenant, je connais. Et le fait de connaître, c'est ça ma bénédiction. D'avoir accepté d'étudier. Maintenant, je connais. Et parce que je connais, Dieu m'envoie. Dieu me dit, va. Et ça peut être n'importe où. Quand il m'envoie, ça ne serait pas difficile de répondre oui. Parce que maintenant, je sais que je suis capable. So, je mets les trois phrases. J'ai appris. Je sais ou bien je connais. Maintenant, je peux. Et c'est avec ça que je peux résumer notre expérience dans l'école biblique. C'est une occasion. C'est une occasion pour nous d'apprendre. Et quand nous, dans l'humilité, nous nous soumettons à apprendre, nous pouvons dire que maintenant, je connais. Je connais qui je suis. Je connais ce que Dieu veut que je sois, ou bien c'est ça le français, et ce que Dieu veut que je fasse. Ce que Dieu veut que tu sois et ce que Dieu veut que tu fasses. Oui, voilà. C'est deux verbes différents. Exactement. Donc, tout d'abord, j'apprends et je connais ou bien je sais et maintenant je peux. Parce que je peux, je me laisse entre la main de Dieu. Partout où qu'il m'envoie, qu'il te dirige. Je vais. Sans peur parce que je sais que j'ai appris et je peux et je suis capable. Voilà. Et vous êtes missionnaire, vous êtes appelée de Dieu, vous êtes femme de Dieu. Et c'est Osborne Darcy qui disait que elle est choisie de Dieu, ointe par le Saint-Esprit et commissionnée par Jésus-Christ. Et dans cette commission que Dieu nous demande d'aller missionner les âmes, vous êtes aguerri, vous êtes entouré de connaissances académiques, bibliques, théologiques pour aller faire ce que tu as appris à faire. Alors, c'est ici le lieu de lancer un appel à quiconque appelé de Dieu. Un appel, c'est bon, mais se faire former aussi, c'est une autre chose. Et de continuer la formation pour arriver à un niveau standard aussi, ça ne pourra que nous aider à plus défricher le champ que le Seigneur nous donne et aller dans les coins, là, les recoins, pour pouvoir, par cette parole, comme une moelle qui, par le couteau, rentre dedans, enlève et étale pour que tout soit clair. Alors, la connaissance ne peut que nous aider à encore aller plus de l'avant dans ce champ missionnaire. Je vous rappelle que Maman Fif, elle est anglophone, mais voyez-vous, elle parle librement le français et elle est aussi utile, aussi bien aux francophones qu'aux anglophones. Alors, Fif, est-ce que tu peux dire ta langue natale? Tu peux dire bonsoir à tes frères à Ibo qui sont en train de t'écouter. Ton pays, le Nigeria, pourquoi pas? Ok. C'est vrai que ça fait des années que tu es togolaise aujourd'hui. Ça fait deux années, je dis souvent, je deviens togolaise. Hein? Vous êtes devenue togolaise, pas deviens. Je suis devenue togolaise, voilà, c'est ça.
Mais quand même, je fais effort. C'est ça. I want to thank God. it's a long time I spoke Igbo, so I feel good. I'm sure someone somewhere will be wondering. We see this day Igbo people come very, very, very plenty to support you. Yeah. That day. Yeah, the day. The day of my graduation. Yeah, exactly. There were so many of them. It's good that I spoke in Igbo. I wanted to speak in English, but it's, yes. I'm happy I did it in Igbo. I wanted to be sure I'm doing it well. Because your husband is My husband is Yoruba. Yoruba? Mm-hmm. You are. And thank you. Thank you so much. God bless you, brothers and sisters, wherever you are. It's a good thing to be here, and I know that so many of us understand the importance of the education of our girl child, or our girl children, our female children. It's important, and I want to encourage us, whatever it will take, to support our girls. And of course, why not all of our children? The Bible says that children are an inheritance of the Lord. And they are all a blessing from God. No one is inferior to the other. So it is a good thing that we make them know how important they are, each one of them. And don't allow any of our little ones to feel like I am less important than the other. The boy is the one that is important. As for me, I'm just there. No. Yes, we should make them feel loved and cared for. We should give whatever we have, our best, to our children. We should ensure that they have the best from us. And even when we don't have, let them know that we love them. That's what's important. And that we love them equally. I pray that the Lord will help us and give us grace, yes, to love our children and to give them the best we can. Amen. Amen. Thank you very much for speaking English and Igbo together. Yes. Merci notre maman Ojo. Oui, maman. Ça faisait très plaisir de vous entendre parler la langue, your native language, ta langue maternelle aussi, l'anglais, le français, et ça fait bien. Alors c'est ici le lieu d'inviter nos parents à économiser pour s'acheter des chaussures de 500 et offrir des études, de grandes études, des et d'acheter les pagnes de 1000 francs et d'offrir de grandes études aux enfants. Parce que demain, même s'ils ne vous donnent pas, même s'ils ne s'occupent même pas de vous, vous aurez fait votre part de leur mettre là où ils sont, comme l'a dit un homme de Dieu que je me réserve de citer. Alors, soyez bénis, je pense que nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de notre émission, notre débat, et je pense que ce n'est que partie remise. Si même tu n'avais pas les moyens, aujourd'hui les études, surtout primaires, secondaires, au lycée, sont gratuites au niveau des jeunes filles. Ok. Oui. Le gouvernement a gratifié les frais de scolarité pour les jeunes filles. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter
à moins que toi-même tu veux amener ta fille dans une école privée où peut-être tu as les moyens, d'accord. Mais on a donné la chance à tout citoyen et togolais de scolariser ses filles, ses enfants, filles, la gente féminine. Wow. Alors nous disons merci au gouvernement aussi pour tous ces efforts à l'endroit de la jeune fille. C'est ce qui a même valu nos places aujourd'hui dans le gouvernement. Beaucoup de femmes sont ministres et la première ministre, le premier responsable du gouvernement, c'est une femme. Et on ne parle pas au Parlement, il y en a plein. Alors nous sommes représentatives à tous les niveaux. Alors l'Église du Seigneur reconsidère également la position de la femme au niveau de l'Église pour qu'elle soit utile par les dons et les talents que le Seigneur a mis en elle pour bénéficier, pour faire bénéficier tout le corps de Christ. Nous vous disons merci pour les efforts déjà déployés et nous pensons que par l'avenir, beaucoup d'efforts aussi seront faits dans ce sens. Alors, nous allons encore nous incliner pour dire, ou vous avez même derrière nous, je pense a final word for you. Yes. Oui, je pense que généralement, nous avions dit ce qu'il faut dire. Je vais juste, je crois que j'avais dit ça en anglais, je vais dire ça maintenant en français. C'est ça. Que, en tant que les parents, c'est notre temps aussi est fini. Est fini, d'accord. Ouais, juste juste pour dire que les enfants que Dieu nous a donnés, garçons, filles, sont tous très importants. Et nous devons les aimer. Et si nous trouvons occasion à les aider pour aller étudier, pour aller à l'école, il faut que nous le fassions. Merci. Oui. C'est très important que le Seigneur nous aide. Amen. Par rapport à notre temps, nous allons tout simplement dire merci au Seigneur. Nous savons que tu nous as assistés. Tu as été avec nous, tous ceux qui ont écouté ce débat et nous ont vus et seront aussi bénis. Ils sont déjà bénis et mettront en pratique les conseils que nous avons reçus de notre maman ce soir. Soyez bénis. Nous disons merci aux téléspectateurs et également à nos chers reporters et à nos frères qui sont à la régie et nous ont favorisé ces belles images. Soyez tous bénis et que à la prochaine. Merci, à la prochaine. Soyez bénis.